Le prix Maïf pour la sculpture représente véritablement une volonté de mettre en exergue finalement les valeurs qui rassemblent la communauté de destin qu'est la Maïf. Et comme il faut bien évoluer, nous avons décidé, c'était l'année dernière, d'aller vers le soutien, l'accompagnement de nouvelles techniques artistiques. Je dirais que ça accompagne d'abord une stratégie de l'entreprise. Nous exerçons un métier, celui d'assureur, et l'on voit bien que tout ce qui relève des nouvelles technologies imprègne nos métiers. Et je crois que c'est très important que ces nouvelles technologies n'oublient pas le fondamental qui pour nous constitue le socle de la Maïf, c'est-à-dire l'humain. Ces nouvelles technologies, elles doivent être aussi au service de la création artistique. Il y a trois éléments qui seront décisifs dans le choix du projet vainqueur. D'abord, l'humain prime. Certes, les nouvelles technologies seront la base de la création artistique, mais elles ne seront qu'un moyen et surtout pas une fin. Le deuxième élément, je dirais, c'est l'audace du créateur. Il ne maîtrise pas forcément ces nouvelles technologies. Il y a une volonté de sa part, une prise de risque et de sortir de sa zone de confort. Et puis le troisième élément, c'est la synergie que l'artiste va créer, installer avec l'expertise. L'expertise, ça peut être un expert des nouvelles technologies, ça peut être une entreprise qui va l'accompagner, le guider dans son projet. Le projet gagnant, il est réalisé en deux exemplaires. Un exemplaire qui reviendra à l'artiste et un exemplaire qui revient à la Maïf et qui viendra donc enrichir la collection de la Maïf. Et l'objectif, ce n'est pas de conserver l'œuvre de façon, je vais presque dire, intime. Il s'agit de l'exposer, de la montrer auprès de nos publics, auprès des sociétaires, auprès de nos collaborateurs, auprès du grand public aussi. Bref, de valoriser véritablement l'œuvre et donc aussi de valoriser l'artiste et de faire en sorte d'affirmer véritablement le concours que la Maïf apporte durablement à la création artistique.